Voici la Grèce antique, il y a quelques centaines d'années avant notre ère. Quels sont les éléments caractéristiques de cette terre, où la vie des hommes et la mythologie s'entremêlent chaque jour? La Grèce est un pays où règnent les montagnes. Les plus hauts sommets sont par ordre d'apparition, le mont Olympe, le mont Parnasse et le mont Égette. Ces montagnes, couvertes par des forêts d'arbustes, délimitent de petites plaines fermées, souvent proches de la mer, dont chacune a été le centre d'un état grec. Chalcidique, Macédoine, Thessalie, Béotie, Attique et presqu'île du Péloponnèse forment la Grèce continentale. Les îles Ioniennes à l'ouest, Cythère au sud du Péloponnèse, les Cyclades au centre de la mer Égée, l'Eubée et les Sporades du nord forment avec la Crète la plus grande des îles grecques, la Grèce insulaire. Enfin, les côtes orientales de l'Asie mineure et les îles voisines telles que Lesbos, Chios, Samos ou Rhodes forment la Grèce d'Asie. Ainsi, l'on peut diviser la Grèce ancienne en trois régions: la Grèce continentale, la Grèce des îles et la Grèce d'Asie. En Grèce ancienne, l'agriculture est peu développée. Les sols sont maigres et les pluies sont rares, quasiment nulles en été. Bien cultivés, les sols peuvent cependant porter des céréales, des légumes, mais aussi et surtout des oliviers et de la vigne, dont la culture est favorisée par le climat méditerranéen. Enfin, l'élevage reste limité. Cochons, chèvres, où moutons se contentent de pâturages maigres et secs et prospèrent librement dans les zones montagneuses. L'importance du littoral en Grèce fait de ce peuple des navigateurs de grande envergure. Les rivalités entre les nombreuses cités grecques, la recherche de nouveaux horizons, de nouvelles terres ou de nouveaux débouchés commerciaux poussent les Grecs à prendre la mer et à entreprendre de nombreux voyages dans toute la Méditerranée. Ils repoussent les limites du monde connu d'est en ouest et commercent généralement avec les populations autochtones. Dès lors, ils fondent des comptoirs commerciaux, puis des colonies, qui, tout comme les cités-mères, sont constituées en véritables états autonomes, ayant leurs propres lois, leurs propres politiques et leurs magistrats. À travers toute la Méditerranée, des centaines de colonies voient le jour, atteignant les côtes de la Gaule et celles de l'Espagne. Marseille ou bien Nice ont été fondées par les Grecs. Au cours des siècles, les échanges se multiplient entre Grecs et barbares, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas Grecs. La culture grecque se propage sur toutes les côtes méditerranéennes, et même au-delà. Ainsi, ce qui caractérise la Grèce n'est pas son unité politique, mais son unité culturelle. Car partout où ils s'installent, du nord au sud et d'est en ouest, les Grecs parlent la même langue, honorent les mêmes dieux et pratiquent les mêmes coutumes.